Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre gun. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à modéliser quelques nouvelles pièces, notamment celle-ci avec la vis ici, ces deux vis et cette partie ici. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à modéliser le manche de notre gun, notamment la partie ici. À première vue, elle a l'air d'être assez compliquée pour la réaliser. Mais en fait, c'est assez simple. Pour réaliser cette partie, nous allons utiliser un plane. Donc, on va faire Shift A dans les mèches, on va importer un plane. On va faire une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Alors, sur ce plane, nous allons uniquement prendre un seul vertice. Donc, je vais placer ce plane ici en bas. Je vais sélectionner trois vertices indésirés. Et ensuite, je vais la supprimer dans X. Delete vertice. De ce fait, il me reste uniquement ce vertice que je vais placer ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un détourage du manche de mon gun. Donc, comme ça. Ça. Donc, je fais une succession d'extrusions et de déplacements. Vu que cette étape sera assez longue, on va passer en time-lapse. Le détourage étant ainsi terminé, nous allons maintenant fusionner les vertices qui se trouvent là. Alors, soit on peut les fusionner en un point, soit on peut créer une face. Alors, nous allons plutôt choisir la seconde méthode. On va sélectionner les deux vertices en question et on va faire F afin de refermer la face. Maintenant, si on appuie sur la touche slash, on a cette partie de gun. Et ce que l'on va faire, c'est créer une face à partir de tous ces vertices. Donc, on va les sélectionner et on va faire F afin de refermer la face. En solide, pour monter l'épaisseur, on va juste faire E pour extruder et on va déplacer comme ceci. On va faire revenir les autres éléments de la scène et on va faire CTRL-3 pour aller en vue de profil. On va faire en sorte que l'épaisseur de la manche de notre pistolet corresponde de plus ou moins aux différentes pièces qui sont déjà présentes. Donc, on va tout sélectionner et on va faire SY. Bah, comme ça. Pour un début, on va laisser cette épaisseur, mais par la suite, si elle n'a pas été bien réglée, on va la modifier. Donc, la manche de notre gun ressemble à ça pour le moment. Et pour continuer, on va s'intéresser maintenant aux arrondis. Là. Vous voyez qu'ici, on voit clairement une cassure. On va aller en Edit Mode, on va faire CTRL Tab, mode de sélection d'Edge, et on va arrondir cette tête ici. Donc on va d'abord sélectionner ici, on va faire CTRL E, Edge Slide. On va un peu déplacer ça ici, comme ça. Ici, on va faire CTRL B pour le bevel. On roule. De même ici, Alt et clic droit, CTRL B. On continue ici, CTRL B. Et étant donné qu'on a plusieurs arrondis à peaufiner, on va passer en time-lapse.
Les arrondis étant ainsi terminés, nous allons continuer avec la partie vide qui se trouve ici. On va procéder de la même façon que pour le détourage de la manche du pistolet. Nous allons venir là. On va d'abord sélectionner notre manche. Edit mode. On va sélectionner un vertice. Shift D. Et là. Et on va détourer la partie du milieu ici. Alors on procède de la même façon, E on extrude et on déplace. Et nous allons passer en speed. Et ici au milieu, on va faire comme précédemment, donc là, on fait F. Ok, on va maintenant à présent sélectionner tous ces vertices avec L, on fait P, Bios Part, en objet mode, on va sélectionner ça, on revient en solide, Edit Mode, A deux fois, on sélectionne tous les vertices, et on va fermer la face donc avec F. On va faire E, Y et on va faire en sorte que en extrudant, on transperce entièrement la manche ici. Bon, les vertices ici peuvent être smoothés avec le Sheet Smooth et on peut également peaufiner les détails des arrondis ici. Alors je regarde, contrôle tab, ici, contrôle B. Et c'est bon. On va maintenant faire revenir les autres éléments de la scène et on va sélectionner la manche du gun. On va aller dans les modifieurs et on va ajouter le modifieur booléen. Et là, on va piper cette partie ici. Et là maintenant, si on sélectionne cette partie que on la cache, on a un trou qui s'est formé. On va faire de même pour cette partie ici. Vous voyez qu'ici il y a un creux. Et c'est ça qu'on va également représenter. Donc, vue de face. Et on va cette fois-ci importer un cube que l'on va scaler. Edit mode, vue de dessus. On va faire S, Y. S, Y. On scale. Et on va placer ça ici. On va encore scaler. Et là, maintenant, on va placer ça ici. En bas. S. SZ. Comme ça. Nous allons aussi bien vérifier là. Ne pas commettre d'erreur lors de la découpe. Là, je pense que c'est plutôt bon. Donc, après avoir fait ceci, on va retourner en objet mode et on va ajouter encore le modifieur booléen. Alors, add modifier booléen. Là, on pipe ça. On cache. Alors, là, on a caché le mauvais. On cache le cube et on a ça. Alors, on peut faire slash
Et on a terminé avec ce tutoriel. Bon, on a appris à modéliser la manche de notre pistolet simplement via l'utilisation des modifieurs et via du bevel. Bon, avec cette technique de modélisation, il y a un tout petit souci quand même. La topologie en Edit Mode ne nous permet pas de pouvoir ajouter sur le modifieur bevel. Vous voyez que là, si je pars dans le modifieur et que j'ajoute le modifieur bevel, il va bien s'ajouter, mais on ne pourra pas faire un bevel. Et pour terminer avec la manche de notre gun, nous allons ajouter le modifier bevel. Alors, on va commencer tout d'abord par ajouter le modifier bevel sur le cube qui nous a permis de faire la découpe là au milieu. Donc là, on sélectionne le cube, on place au premier plan pour travailler facilement. Et pour terminer la manche de notre gun, nous allons ajouter du bevel. À la fois sur le cube qui nous a permis de frayer ce creux ici et également sur la manche en question. On va donc commencer par le cube. Là, on appuie sur la touche slash, sélection du cube slash pour le placer au premier plan. Et là, on va ajouter le modifier bevel en question. Ici, on va mettre un 8 assez petit en mulageur et on smousse les vertices. Ici, on va mettre à 3. Pour vraiment arranger tout ça et c'est ok. On appuie de nouveau sur la touche slash et on sélectionne la manche. Là, on a fini avec le cube en cache. On sélectionne la manche et on va aller en on va placer cette manche au premier plan. On va aller dans les modifieurs et on va ajouter le modifieur bevel. On va faire un bevel au niveau des angles et on va un peu voilà, je comprends et pour terminer avec la manche de notre gun, pour ceux qui veulent, vous pouvez ajouter un bevel. Alors pour ce bevel, on va juste sélectionner la manche là. On va aller dans les modifieurs et on va ajouter le modifier bevel. On avait un bevel au niveau des angles là, on coche là. Et on va diminuer la largeur. Donc là, vraiment assez petit. Et c'est tout pour ce tutoriel, les amis. Vous savez maintenant comment modéliser la manche de notre gun avec Blender. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.